Avec tout ce qui s'est passé avec Covid et tout ça, on a décidé que ça allait vraiment faire du bien de réveiller les enfants de nous. Donc c'est pour ça, c'est pourquoi je suis là, je fais des opportunités. Pour que ensemble, on puisse s'amuser et que les enfants puissent entrer avec un sourire sur les visages. On a commencé cette année. Alors il y a des gens qui ont déjà prévu de nous des dons pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on fait venir même tous les cadeaux, on fait venir un container pour qu'on puisse aller dans plusieurs communes, pas seulement pour moi aussi, pour que d'autres communes aussi puissent enjoy quoi. Comme... Tu connais Issou, président fondateur de l'ONG OIPCE, Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat. L'ONG qui reçoit les fonds baptismaux pour venir accompagner le gouvernement dans sa politique de réduction du chômage et de pauvreté en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de soutenir 500 enfants vulnérables de la commune de Koumassi, 500 enfants orphelins, 500 enfants handicapés, parce que nous sommes en fin d'année. Il faut que les enfants puissent entrer dans la nouvelle année avec la joie au cœur, l'amour et le partage. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de venir soulager 500 enfants avec l'organisation. Nous sommes allés sur les bases de plusieurs critères. D'abord, dans les conditions dans lesquelles les enfants vivent. Nous avons sélectionné les enfants très pauvres, qui sont dans des conditions vraiment très défavorisées, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier des cadeaux de l'ONG OIPCE. La valeur s'estime à plus d'un million 500. Voilà, c'est plus de 500 enfants qui seront pris en compte. Voilà, au-delà donc des cadeaux, il y a des jeux qui sont là et ils auront des sandwichs chacun avant de partir à la maison aussi. En vivre et non vivre. Et il faut dire qu'en plus du fait que nous allons soulager 500 enfants vulnérables, nous allons, d'ici la fin d'année d'ailleurs, d'ici le 31 décembre, nous allons également donner des kits alimentaires, des vivres et non vivres aussi, à 500 familles vulnérables qui ont été déjà sélectionnées, comme l'année dernière nous l'avons fait lors de l'avènement du Covid-19. Il faut dire que nous sommes à notre 4e édition de l'Arbre de Noël, et je pense que l'année prochaine, nous allons aller à l'intérieur donc, du pays pour pouvoir toucher, en tout cas les plus vulnérables également aussi. On ne peut pas s'arrêter seulement à Abidjan, mais on va aller également aussi à l'intérieur du pays. Mais ça, c'est, il faut dire merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés, Savoie et Compétences de Paris, également à notre correspondante qui est aux États-Unis, qui a fait le déplacement pour venir nous accompagner dans ce projet. Et nous avons nos ambassadeurs, Dorian et Desmond, qui sont aux États-Unis également, qui ont fait des levées de fonds pour pouvoir accompagner cette année l'ONG de façon exceptionnelle pour organiser la Noël.